vision. Vers une hostie énorme, au fond d'un large cœur. Dans un temple bâti sur des schistes qui pendent. Voici 1800 que les moines ascendent et jettent vers le Christ tout le sang de leur cœur. Le temple est si haut là-bas où rien ne bouge. Du fond de l'univers, du zénith, du nadir, on regarde l'hostie immense resplendir sous le jaillissement d'un grand soleil d'or rouge. Et les moines, les saints, les vierges, les martyrs, foulant à pas égaux les routes ascétiques, s'en viennent là, du fond de leur cloître mystique, s'incendier l'esprit au feu des repentis. Les uns, n'ayant jamais péché, portent leur âme, comme un faisceau de lys sur leur manteau brodé. Ils ont le front de calme et d'ardeur inondé, et dans leurs doigts d'argent ils portent une flamme. Il en est dont les reins se ceinturent d'ortie, et qui marchent, hagards, par les sentiers étroits. Le dos raidi, les flancs creusés, les bras en croix, la bouche effrayamment ouverte aux prophéties. D'autres, la gorge sèche et la poitrine en feu, sont les suppliciés de jeûne et de prière, dont le corps s'éternise en des gestes de pierre et qui dans les déserts hurlent après leur Dieu. Et tous s'en vont ainsi, vêtus de larges voiles, comme des marbres blancs qui marcheraient la nuit. Qu'ils fassent aurore au soir, une clarté les suit, et sur leur front grandi s'arrêtent les étoiles. Et parvenu au temple, ouvrant au loin son cœur, dans un recourbement de givre colossal, ils tombent à genoux sur la froideur des dalles, et jettent vers leur Dieu tout le sang de leur cœur. Le sang frappe l'autel et sur terre s'épanche, éclabousse de feu les murs éblouissants. Mais quoi qu'il ait souffert depuis 1800 ans, l'hostie est demeurée implacablement blanche.